E dalla vigna adesso siamo passati in cantina, andiamo a vedere come Bastien e il padre vanno a assaggiare quello che sarà poi il futuro champagne. Bastien, s'il vous plaît, se possibile. Aujourd'hui, on va déguster un tonneau qui vient du clos, donc c'est la vigne dans laquelle on était tout à l'heure, qu'on a vinifié à part et qui vieillit tranquillement dans les tonneaux. Donc c'est la vendange 2011 que nous allons goûter. Ecco, come abbiamo visto un piccolo clos, una vera chicca, un vigneto di 80 anni, sarà altri clochard partano da Damery per chissà dove. Adesso siamo nella fase in cui si sta valutando come si evolve questo vino. Allora vediamo Bastien e soprattutto il padre che ne pensa e come si evolve. La vendange 2011 a été très atypique, désolé, parce que ça a été un millésime très chaud et qui a été difficile à vendanger. Mais avec beaucoup de travail dans les vignes, on a pu avoir des vins qui sont très bons, qui sont très clairs et qui sont très équilibrés. Donc ça nous donnera vraiment des vins qui auront beaucoup de potentiel une fois dans la bouteille. Ok, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Ne dis pas grand-chose. Sentiamo anche il padre, quello è da generazioni, ormai è in cantina, che ne pensa? Qu'est-ce que tu en penses? Les vins sont très bons, très fins, avec des notes de fruits blancs, de type poire, pêche. Comunque sono molto contento, gli piace, incomincia già a sentire delle note di pesche, di fragole. Sarà, ripeto, un clou unico, ancora, non ancora in commercio, ma sarà un futuro clochard coi fiocchi. Grazie.